En Europe, qui n'en déplaise à certains, reste la terre des racines judéo-chrétiennes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides sont beaucoup moins importants qu'à travers le monde, et notamment qu'en Asie et qu'en Afrique. Ce sont des données publiques, c'est le dernier rapport de l'ONU. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Évidemment, il y a un problème. On ne peut pas nier qu'il y a une augmentation des chiffres de la violence, ni qu'il y a plus de meurtres de femmes par les hommes que l'inverse. Je crois que précisément, l'un des génies du christianisme, ça a été de partir de la nature humaine, de ne pas dire que l'homme était un surhomme, mais de partir de cette nature. À ce sujet, saint Thomas d'Aquin dit « La grâce ne fait pas disparaître la nature, mais elle l'accomplit ». Cette force du christianisme, c'est d'intégrer la fougue de l'homme, sa force, son tempérament, pour l'élever vers quelque chose de plus grand que lui. Donc l'idée, c'est d'emmener la virilité quelque part. Ce qu'essaye de porter une culture ne veut pas dire qu'elle y parvient à chaque moment, et encore moins à chaque moment de l'histoire.